Donc nous voici dans la phase combat. Donc là on tire 1 ici, hein, parce qu'il n'a pas assez d'éléments avancés pour être un truc de tier 2. Ce qui est normal vu les choses que j'ai mis dessus. Donc, alors nous voici avec cette espèce de chose. Qui me fait visuellement bien marrer quand même. Ça ressemble à rien en fait. Mais ce que j'aime bien avec cette espèce de chose, c'est que finalement, elle se retourne pas vraiment. Et elle roule un peu partout, c'est ça qui est rigolo. C'est un peu un tout-terrain, mais bizarre. Surtout, vous faites un peu peur à vos alliés. Oula, oula, oula. Vive les lags. Il m'a roulé dessus. Alors, question de précision. J'aimerais vous faire une comparaison. Une comparaison, ouais, de type... Wet, mais je sais même pas si j'ai trouvé. Ah, attendez. Attendez, attendez. Y aurait-il des méchants? Ok, et de 1. Lui, il a craqué son slip. Ok, il y en a en dessous. Donc vous voyez, grâce au radar, hein, je peux du coup, s'ils n'ont pas d'anti-radar, je peux les spotter et gagner un avantage certain. Oulala. J'ai envie de sauter, hein, je vous le dis clairement. Oula. Qu'est-ce qu'il fait lui là-bas? Est-ce que je saute? Il faut vivre avec du risque. Enfin, je sais pas, là, quand même, c'est un peu risqué. Ouais, non, ils sont deux. C'est un peu du suicide, en fait. Par contre, toi, tu vas bouffer si tu restes là. Non, reviens, reviens, reviens. Oh, putain. Non, bon, allez, YOLO. YOLO. C'était un YOLO d'excellente qualité, hein. On essaye de viser les roues pour lui bloquer la mobilité. Après on vise le cockpit si ça lag pas trop. Et on le prend en chasse jusqu'au point de spawn et demi. Donc vous voyez en haut à droite déjà que la barre commence à se remplir. Commence à se remplir, donc ça veut dire que c'est un allié qui est en train de sectionner le point qu'on voit juste devant. Donc voilà. Team Victory. Et je suis un des premiers de l'équipe. C'est plutôt cool, ce qui n'arrive pas souvent. Du coup, je vous aurais montré un petit peu... Oula, en plus, j'ai gagné pas mal de points et tout. Et voilà. Donc, avec cette espèce de machine, on va faire une autre partie. Hein. Donc, j'ai gagné ces points étoiles qui permettent, dans le menu que nous avons eu tout à l'heure avec tous les blocs disponibles du jeu, de débloquer des nouveaux blocs sur les 10 tiers. Donc... Ici, c'est des points, donc les étoiles, j'en ai 77, mais c'est des étoiles de type 1, de tier 1. Donc ça veut dire que je pourrais débloquer que des objets de tier 1. Je crois que j'ai tout débloqué en tier 1, du coup, elles ne me servent à rien. Alors, si vous avez de l'argent réel, vous pouvez convertir avec 9, je crois 9, il me semble qu'avec 9, oula, ouais, avec 9 argent réel, là, je sais pas comment ça s'appelle. Vous pouvez convertir un point de n'importe quel niveau en un point Uber pété, quoi. Enfin, c'est-à-dire un point qui va marcher pour tous les tiers. Donc, si vous êtes blindé de fric et que vous voulez dépenser de l'argent dans le vide, vous pouvez débloquer tout juste avec un truc du niveau. Enfin, c'est assez bizarre à comprendre, mais quand vous avez compris, c'est logique. Donc voilà, je sais pas comment je vais l'appeler, hein. J'aurais bien appelé, je sais pas. Oula, oula. Oula, oula, oula. Oh, alors toi, tu t'es mis dans une merde. Oula, oula, oula. Alors là, vous voyez, là, on est en phase de. Là, on est en phase de. De survie. Non, non, voilà. Alors, ça, c'est le truc qui arrive la plupart du temps quand vous faites un robot de ce genre. C'est-à-dire que il vise bien les deux côtés de votre machine, et du coup vous retrouvez bah avec un bras en moins ou les deux, ou alors la moitié du véhicule. Mais je crois que c'est comment ça s'appelle,
ces lances laser là étaient assez puissants hein, quand même. Donc vous pouvez voir le nombre de gens qui jouent, hein. C'est assez impressionnant quand même pour un free-to-play de ce genre. Et c'est assez rapide, c'est ça qui est plaisant. C'est un jeu très actif, hein. Vous faites des parties, vous améliorez votre robot, vous quittez la partie quand vous êtes mort, vous continuez ou pas, vous gagnez, vous doublez vos points, enfin c'est très très réactif. Ça se joue à mon avis très funnement avec les potes. Alors je n'ai pas encore trouvé des gens qui jouent dans les rejets. Oups, excuse-moi, petit truc qui vole, si j'ai bien compris. Tu voles toi? Oui, tu voles. Je crois qu'il te manque un objet sur ton truc. Ouais. Là, c'est un peu dégueulasse la trajectoire que tu nous donnes là quand même. Ou alors soit tu sais pas conduire. Je crois qu'il te manque ton brevet de pilotage. Bon, soit. On n'est pas là pour discuter. Ah, je crois pas. Je vous avoue quand même que j'ai hâte de tester. J'ai hâte de tester le véhicule volant. Oula, 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 oula. Je me suis mis dans le gros caca là. Ça va. Oula. Tac, tac, tac. Pourquoi j'arrive pas à le toucher? Bah, je sais pas, ça doit être le lag. Le lag de l'amour. Donc on voit pas mal de gens qui débutent quand même. Il y a un véhicule qu'on a dès le début du jeu en fait qu'on retrouve assez pas mal quand même dans le choix des gens. Par contre, alors niveau mes précisions, c'est de la merde mon machin. Ah voilà, là c'est pas mal. Ah c'est lui qui nous a détruit tout à l'heure, il ressemblait je crois, non? Je sais pas. Je parle peut-être fort hein, par rapport au son du jeu, c'est juste que... J'ai vraiment le son du jeu qui est fort et je peux pas le baisser plus je crois donc on va aller débusquer l'ennemi. Alors je crois qu'on va pas faire de la sélection de points là, c'est plus du match à mort. Et étant donné notre effectif et le leur, je pense qu'on a gagné. Meurs enfoiré. YOLO, on a gagné. Ah non, il en reste un. Je perds un peu de la voix. Ah, il est où le dernier? Moi j'y vais hein. Ah, il est là. Ah, il est là-bas, ouais. Ouais, wouah. Ok, backflip. Dédicacé à Jean-Paul je sais pas. Un Jean-Paul. Je sais pas s'il défend ou il est AFK, ça me dérange de tuer un AFK, je vous le dis. Non, il est pas AFK. Alors crève, charogne! Oula, oula! Non! Va te faire enculer! Non! Pas à la fin de la partie! Ah, oh, c'est dégueulasse! Et dans notre équipe, il y a un mec qui l'a fait 5 kills quand même. Il est résistant, hein! On a gagné. Ah non, mais non, non, attendez, on veut peut-être perdre. Ah non, c'est bon. Ouais, parce qu'il y avait un... Ouh, il est stylé ton machin. Il a mis le siège dessous, c'est excellent. Bon, bon, on aura vu quand même des trucs sympas. Alors, combien on a gagné de points, là? Parce qu'on a fait quand même une belle partie, au final. Ouais, quand même. Oh, seulement. Bon, bah, d'accord. Alors, on va quitter ça. Et on va sélectionner l'autre robot qui doit être du tier 2, hein. Vu les objets installés dessus. Oui, même... Même 2,5. On va tester cette chose, je sais même pas si ça marche. Hein. C'est que logiquement, par rapport à ce que j'ai mis, ça devrait marcher, mais c'est même pas sûr. Hein. Moi, je sais pas combien fait de temps cette vidéo, je crois qu'on arrive bientôt à 30 minutes. Je sais pas si je vais la séparer en deux morceaux, je sais pas. Ouais, peut-être que je vais faire ça en fait, je sais pas. En tout cas, il a de la gueule notre machin, j'aime bien comment il est. Est-ce qu'il décollera? Vous le saurez dans le prochain épisode. Il fait un gros cliffhanger et tout. Oula, oula, oula. Ah, merde. Ah, par contre... Oula là. Oula là. Oula là. Ouais. Bon, d'accord. Je m'attendais pas à ça, hein, je vous avoue. Oula, oula.
Aïe 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 aïe, c'est inconduisible. Inconductible, inconduisible. Il m'a défoncé la moitié de mes canons. Non mais arrête, arrête, arrête. Ah, il tourne tout seul. C'est une technique très avancée de destruction de mon appareil. Brille, esquive. Wouhou. Je me barre les mecs, à plus. Ah non. Bon. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'était plutôt ridicule quand même. Plutôt. On a gagné des points. Je me vois comment on a fait. Merci de nous avoir donné des points, monsieur le jeu. Parce que c'était quand même à peu près de la merde. Ah, j'ai acheté pour mâcher. J'ai acheté pour mâcher. Attendez, je dis n'importe quoi. J'ai assez pour m'acheter des nouveaux... Je regarde hein, si j'ai des trucs aussi. Ouais, j'ai assez pour m'acheter des nouveaux... Merde! Des nouvelles tourelles, voilà. C'est ça que je cherchais. Elles sont où d'ailleurs? Hardware. Il y a quoi en spécial? Ah non, c'est tout. Ok, hardware. Voilà, c'est celle-là. Ça coûte super cher. Tac. On va la mettre tout de suite. On va la mettre en complément. Donc à la place de celle-là et celle-là, on va inverser. On va mettre celle-là donc, ici. Oula. J'ai dit et celle-là là voilà et on va en mettre une comme ça et au cas où même si je perds de la vitesse de puissance de feu une comme ça voilà c'est pas trop mal là hein. Pas trop mal donc je pense que le problème vient de ceci. Peut-être que les mettre comme ça serait une plus judicieuse idée. On va voir, on va le tester comme sur le terrain, comme ça je vous montre le terrain de practice. Où il y a simplement des ennemis, vous pouvez leur tirer dessus, ils vous attaqueront pas en principe. Donc c'est ce qui vous sert de test. Alors, ouais, il y a encore un truc qui me... Mais pourquoi il part en vrille? Il est vachement symétrique. Je comprends pas. Non mais je crois qu'il faut que je mette les aéroglisseurs, enfin les glisseurs aux mêmes endroits. Je pense, enfin à la même hauteur, je pense que c'est ça qui fait le... Non mais il y a un problème. Meurs Sharon. D'accord. Alors si on roulera de terre, qu'est-ce que ça fait? Ça fait rien. Ah si, ça quand même, ça traîne les canons. Bon, soit. A plus. Non, je vais pas que ça couper ça maintenant. J'aimerais au moins qu'il marche à peu près correctement, notre véhicule. Donc. Pour les mettre au même niveau, la solution qui me paraît la plus adaptée, c'est de continuer un bras de cette taille environ, voilà exactement, et de sélectionner ces choses-ci, d'enlever ces choses-là et de les positionner ici et là, voilà. Donc, par logique on va mettre des blocs ici et voilà, là normalement ça devrait marcher, j'espère. Voilà. Ok, il commence à repartir en couille. C'est pas grave, il est beaucoup plus maniable qu'avant. Oula, j'ai rien dit en fait. C'est pas grave. Et voilà. Si, il est quand même beaucoup plus maniable qu'avant. Même si je vais faire une dernière amélioration que je ne testerai pas cette fois-ci. Et on va lancer une partie. Alors, juste avant de lancer la partie, parce que je pense qu'on va faire quelques parties, je vais juste vous montrer au niveau du RoboShop, ce qu'ils ont fait, je pense que c'est les développeurs, hein, que vous pouvez acheter, donc il y a des trucs assez sympas hein, quand même. Donc ça c'est du tier 2 par exemple, vous voyez ce que vous pouvez faire avec du tier 2, c'est déjà assez stylé. Hein. Enfin, quand vous avez débloqué tout ça, hein, mais même si ça c'est du tier 3.
Donc voilà, sinon des chars. C'est stylé aussi, hein. Sinon, vous avez encore des choses plus expérimentées. Donc comme ça, c'est un truc qui vole. Non, il vole pas en fait celui-là. Ah non, il roule que. Il roule que, oui, ça veut dire, ça veut rien dire. Oula, des trucs complètement stylés comme ça. Enfin voilà, c'est. Il y a de la créativité à revendre. Hein. Ça, on dirait un vaisseau dans. J'aurais dit Ratchet et Clank. Ouais, je sais plus. Peut-être. Allez. Non! Attendez, voilà. Je voulais juste remplacer ça. Je vais essayer peut-être de les mettre comme ça. C'est régulier. C'est régulier. Allez. Peut-être que. Ouh, vous entrez dans une bataille classée. On va voir ce que c'est. Je sais même pas ce que c'est. Je sais même pas à quoi ça correspond. Je crois que si, ça nous classe. Le robot, enfin notre rang de robot et tout. Voilà. Bon, est-ce qu'on le speedrun? Comment ça se passe? Je crois que je vais attendre mes alliés quand même. Ou alors je vais les. What? What? Oula oula oula. What? What? Stop it, cette machine. Qu'est-ce qui se passe? Oh non, mais qu'est-ce qui se passe? What? Mais non, mais reviens à l'endroit, espèce de débile. Oui. Oui. Bon, elle est pas opérationnelle du tout, cette machine. Aïe 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 aïe. L'autre était beaucoup plus stable. Ah! Non! Non! Mais je roule à l'envers! Ah! Et l'autre qui m'appelle. Non! C'est un désastre! Remets-toi à l'endroit. Putain, faut que je trouve un truc qui fasse que. Oh! Non, ils m'ont cassé le véhicule. Redescends, tout de suite. Oui, au moins un kill. Allez, allez, allez. Oui, les gens, je suis un fou. Oui, alors. Oula, oula, oula. Oula 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 oula, casse-toi. Est-ce qu'il me reste mes trucs qui font mal dessous? Ouais, ils y sont. Enfin, il y en a un, je crois. Ouais. Oula, putain. Mais je suis en mode survivant là. Ah, mais toi, t'es à l'envers. Ah merde, je te plains. Hein. Je déteste quand ça fait ça. Quoique c'est rigolo des fois. Hein. Quand vous êtes un peu débile. Ça va, ils volent encore, hein, notre truc. Hein. J'ai bien fait de les mettre au milieu, finalement. J'étais un peu perplexe. Et on va gagner, hein. Non, mais non. Non. Putain. Reviens. Voilà. Non. Ah. Mais non. Oui. Non. 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 Bon, d'accord. Oui. On a gagné. Ouais. Ok. Bon, je pense qu'on va se laisser là-dessus. Ah, parce que j'ai un peu plus. Ça fait bientôt 40 minutes de vidéo. Ouh, et on a gagné pas mal de trucs avec lesquels je vais quand même acheter des nouvelles améliorations. Comme. J'hésite entre les roues et les thrusters. Mais j'aime quand même plus les. Voilà. Ça, voilà. Voilà, sur cet achat, je vous laisse et vous dis à plus, bande de Roger.